Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour cette petite vidéo construction que j'ai voulu faire avec la sortie du pack Heure de Gloire où je voulais justement mettre un peu en avant les meubles, un peu meubles, tout ça, trucs mûches pour cet add-on, de cet add-on. C'est une petite maison quand même, elle est pas très 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 grande. Mais elle a quand même de la classe, elle vaut quand même son pesant petit paquet d'or. Je l'appelais White Glory, c'est le nom de la vidéo, évidemment. Et j'ai aussi un peu fait joujou, mais vraiment rapidement, avec le modelage de terrain, où j'ai fait des petites collines à l'arrière, j'ai fait un trou devant, voilà, ça m'a fait rire, tout ça. Et j'ai fait un peu, voilà, vite fait des petites collines sur les côtés. Mais finalement, ça va s'avérer un peu utile, les petites collines derrière, vous allez voir à la suite. Donc cette maison, tout simplement, j'ai voulu comme faire des balcons-terrasses avec, bah, vous voyez, des pans de murs qui seraient ajourés avec aussi les toits qui correspondent. Donc ça ferait comme des bandes qui viendraient comme ça entourer les balcons. J'ai trouvé ça sympa. Finalement, j'ai retiré les clôtures parce que je trouvais ça pas très joli. Et c'était mieux juste les bouts de murs. Et donc il y en a trois balcons. Il y en a deux qui seront décorés, le troisième, il n'y aura rien. Après, voilà quoi, vous en ferez ce que vous voulez si vous voulez cette maison. Alors déjà, on a une très très belle porte d'entrée. Là, je l'avais vu sur un stream de Lil Simsy, qui est une youtubeuse anglaise, enfin une anglophone, on va dire, je ne sais pas exactement, je pense qu'elle est américaine. Et elle avait montré qu'elle avait fait cette maison-là dans le Sims Camp, et j'avais kiffé, absolument adoré les fenêtres que voici, et aussi la porte. Je m'étais dit, je vais faire une construction comme ça, c'est pas possible, c'est trop beau. Donc je les ai utilisées, voilà. C'était aussi le principe de vous présenter peut-être, bon, même si vous l'avez sûrement vu chez d'autres youtubeurs plus connus, vous verrez quand même l'assortiment de certains meubles. Voilà, j'ai voulu quand même mettre ma patte. Difficilement, parce que j'avais pas trop d'inspiration pour la maison, la faire comment et tout ça. J'avais fait un essai avant qui était absolument ridicule. Donc, et puis finalement, je me suis dit, tiens, et si je faisais ça comme ça, avec disposition que je me suis faite dans la tête et tout, je me suis dit, bah. Et finalement, je suis plutôt contente de cette maison, elle est plutôt sympathique. Donc là, il n'y a pas de secret, la cuisine, elle n'est pas. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de nouveauté cuisine en tout cas. Dans cet add-on, donc c'est simplement le jeu de base, en tout cas pour les meubles. J'ai fait en sorte d'utiliser des choses qui étaient encore accessibles pour tout le monde. Avec toujours un peu de décoration, évidemment. Et j'ai voulu mettre, voilà, un petit vaisselier qui faisait un peu encore... C'est comme les meubles sont un peu encore un peu vieux, on va dire. J'ai voulu mettre le vaisselier pour ça et avec, et puis une petite teinte de couleur dans le carrelage, et ce sera la couleur jaune, mais vraiment très léger. Après, cette table et ces chaises-là de Heure de Gloire sont plutôt vraiment sympas. Maintenant, je redécore toutes les fenêtres en blanc. Ça rend beaucoup mieux comme ça. Après, oui, comme je fais une petite... petite terrasse devant, le petit escalier pour être sûr que les Sims puissent monter. Et puis voilà, j'ai creusé la piscine au dos. Et comme ça creuse directement dans la colline, et ben ça fait un versant très abrupt. Mais en même temps, c'est génial parce que ça fait qu'on est caché par les gens qui sont derrière. On est caché, on est dans notre piscine et on est caché. Je trouve ça vraiment beaucoup plus cool qu'autre chose, quoi. Enfin, tout simplement, on est bien, on pouvait prendre... sa petite, même se baigner à poil, hein, ça marcherait quand même. Les Sims seront heureux, ils pourront avoir leur tranquillité. Bien sûr, le petit coin pour manger. Ah, j'ai, voilà, les chaises et le coin barbecue. Et il y a aussi le petit tapis pour faire son yoga. Vous savez, les stars aiment faire du yoga. Il n'y a pas que les stars, hein, mais disons que moi, je la vois comme ça. Cette personne-là aura entre deux auditions, tout ça pour tranquillement se relaxer, à faire du yoga. Alors, j'ai voulu faire un truc un peu pompeux aussi entre la salle à manger et le salon. Avec ses ouvertures, vu que le salon, il est creusé dans le sol. J'ai enlevé le sol, donc il est un peu creusé. J'ai voulu mettre les fameuses colonnes de Heure de Gloire qui font très très temple grec. Mais ça rend bien, voilà. Après, je pourrais très bien faire une construction beaucoup plus ancienne que ça.
Ah, et ce tapis-là, il a l'air tellement beau, mais alors il faut beaucoup de place, quoi. Pour faire un cercle, il faut beaucoup de place. Et là, je ne l'avais pas. Donc, c'est parti. Ce n'est que partie remise. Je l'utiliserai dans une autre construction. Laquelle, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je l'utiliserai. Recoloration, je galère un peu avec le couleur du bar. Mais je recolore un peu tout ça pour que ce soit dans les tons. Du coup, que ce soit plutôt dans les bleus blancs pour la salle à manger. Pareil, pour trouver une toile qui correspond au coloris, c'est toujours un peu compliqué. Finalement, c'est les petites toiles de chien et chat. Elles sont parfaites, elles s'accordent bien. On n'oublie pas les rideaux. Et un peu quelques étagères aussi dans la cuisine, histoire que malgré le rangement qu'il y a en hauteur, on n'oublie pas de mettre un peu d'étagères, histoire de faire quelque chose. Et si on a besoin du sel, du poivre, rapidement. Ah oui, les petits trucs comme ça sur le côté pour cacher aussi la piscine. Alors là, c'est un toilette. Oh oui, hein, il faut bien un toilette au rez-de-chaussée, sinon... des fois, ça m'arrive de construire, en fait, et je me rends compte que j'ai pensé... tous les le bas et le haut, mais sans inclure de toilettes ou de salle de bain. Franchement, ou alors j'inclus une salle de bain à l'étage, c'est chiant parce que les Sims ils font leur vie en bas la plupart du temps et il faut aller aux toilettes à chaque fois, mais en haut c'est un peu chiant. Ah, on va arriver au salon. Donc bien sûr, les canapés sont de Heure de Gloire, très capitonnés, très pompeux, très rococo. Après, ça m'étonne qu'ils aient pas fait de meubles très 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 modernes. Il y en a, genre il y a une table de salon là, qui est une table de base qui est très moderne, mais au niveau canapé, ils en ont pas fait. Donc je pense qu'ils vont devoir, ce serait cool en tout cas qu'ils sortent à l'avenir un add-on ou un pack avec des meubles archi modernes. Parce que là, on a de quoi faire avec des meubles un peu vieux jeu, avec entre le vampire et Heure de Gloire, parce que là c'est un peu très rococo quoi, mais c'est pas vraiment moderne. On en a un peu avec Visitadine, mais vraiment archi moderne et très les designs très très linéaires, très blonds, très je sais pas, mais en tout cas j'ai hâte. Ah, je me suis amusée avec ces petits stickers pour faire un tapis. Puis finalement j'ai découvert après qu'il y avait des stickers pour faire les centres, mais bon c'est pas grave, j'ai laissé comme ça en carré. Je me suis rendu compte aussi, voilà, que j'avais pas bien mis au bon endroit. J'ai recentré. Et puis c'est plutôt bien parce que j'ai voulu... ben voilà, je trouvais que la couleur rouge elle prêtait bien. Et pour un salon, c'est assez étonnant. J'en fais pas souvent, les constructions rouges. Hein. Je sais que j'ai fait une construction une fois d'une maison. Et ouais, c'était le salon et la salle à manger qui était rouge et blanche. Là, c'est plutôt le salon. Alors, le lustre est de Heure de Gloire, les rideaux très pompeux comme ça sont de Heure de Gloire aussi, les grandes toiles sont de Heure de Gloire, ça c'est de Heure de Gloire. Je n'ai pas mis la télé d'Heure de Gloire parce qu'elle était beaucoup trop grande, j'ai mis celle-là. C'est déjà pas mal, c'est un petit salon quand même, hein. C'est pas une méga maison donc j'ai pas la place pour faire quelque chose d'énorme. Il y a certains meubles de Heure de Gloire qui en fait font très années 50, donc ça se complète plutôt pas mal avec le kit comme au cinéma. Qui a aussi des meubles assez années 50. Mais ça va voir quoi. Enfin, voilà. Là. La petite plantouille qui vont toujours bien. Elle est tellement belle cette plante là. Mais j'arrivais pas à la mettre parce que comme le il est. Comme je vais y arriver. Comme le salon est creusé dans le sol, c'était un peu compliqué parce que ça remontait dès que je voulais coller au mur, ça remontait à hauteur du sol. Un peu, c'est chiant. Et puis j'ai trouvé ce fantastique fauteuil, toujours dans les tons de rouge. Ah, et puis finalement j'ai changé effectivement la table basse. J'ai mis celle qui en avait reçue à une mise à jour. Donc je la trouvais beaucoup plus jolie, qui se prêtait beaucoup mieux au jeu. Dans l'entrée, j'ai voulu faire une sorte de dressing, les porte-manteaux. Et je me suis dit, bah non, finalement je vais pas faire ça. Je vais faire plutôt quelque chose simple, porte-manteau, voilà. Le truc à parapluie aussi, je sais jamais comment ça s'appelle, mais voilà, au moins il y a de quoi faire. Il y a un petit fauteuil, le petit tapis pour s'essuyer les pieds.
Ça, on a le choix vraiment. On arrive, l'entrée, c'est soit le salon, soit la salle à manger. Et la petite plante qui va bien pour donner un peu de chaleur. La lumière, c'est essentiel. Ouais, finalement, j'ai utilisé ces espèces de meubles, de comptoirs un peu, de guéridon, voilà, un peu de meubles de spa, parce que c'était très très simple, très design. En fait, je voulais pas que ce soit trop vieux. En fait, c'était soit années 50, soit vraiment un truc capitonné. On n'a pas trop trop le choix, mais j'ai pas voulu faire comme ça. Voilà, donc j'ai choisi un truc beaucoup plus simple. Ah, j'ai mis quelques petits arbres hein, sur la colline, histoire de faire. Et des petites herbes. Ça, les herbes, c'est la vie. Et petites plantes aussi, des petites marguerites et des petites fleurs. Vous allez voir que je vais en mettre. Là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une place de parking? Eh oui, parce que, comme toute star, tu te déplaces en belle bagnole. Donc j'ai mis cette voiture-là, et puis petite allée, bon, c'est vite fait, hein. Pour rejoindre la maison. Et puis j'ai remis quelques plantouilles dans mon trou d'eau aussi, l'espèce de voilà, une espèce de petite mare qui sert pas à grand chose, mais au moins elle est là. Ça donne un peu de relief au terrain. C'est vraiment histoire de faire un trou et de m'amuser avec quoi. Mais c'est vrai qu'il a aucune utilité. On peut même pas pêcher, on peut pas se baigner. Mais c'est rigolo, voilà. Ça m'a fait rire de le faire. J'aime bien. Je suis pas encore une pro du modélage de terrain, mais je vais m'entraîner. Je vais essayer de faire des trucs sympas. Qui sait, peut-être un jour, une construction avec des très grosses modifications de terrain. J'aimerais bien, j'avoue. Ah oui, j'avais oublié la musique avec ce superbe meuble. Qui est très bah, entre les années 50 et 60-70, hein, il est magnifique. Et j'ai quand même réussi à lui trouver une petite place un peu dans la salle à manger. Parce que comme c'est une petite maison et que voilà, il n'y a pas trop trop de place et ce truc est un peu gros, j'ai quand même réussi à lui trouver une place. Bon, je commence à vouloir attaquer l'étage. Avec une master bedroom. Et deux petites salles d'eau, donc une qui est attenante à la chambre avec juste la douche, l'autre c'est douche-toilette. Il n'y avait pas assez de place pour mettre un robinet, hein, c'est pas grave. Après, voilà, j'ai voulu mettre un lit de hors de gloire, mais finalement, avec mes fenêtres et mes portes de partout, je savais pas où le mettre. Donc, du coup, j'ai aussi décalé d'un pan la chambre pour avoir quelque chose d'un poil plus grand. Et puis finalement, j'ai changé la couleur du lit et j'ai opté pour. Oh oui, le léopard. Graou, 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 torride. Disons que comme je trouvais pas de meuble qui allait avec la couleur du bois quand il était bleu, ben, je me suis dit finalement ça matche mieux avec le léopard. Donc c'était pas du tout mon idée de départ et puis finalement j'ai trouvé ça super drôle. C'est tellement grotesque le truc, genre voilà, c'est léopard, c'est les stars, ils sont toujours too much à chaque fois et donc je lui ai même mis deux fauteuils qui s'accordent parfaitement avec lui. Voilà, alors c'est ça que j'avais trouvé, c'était les centres là qui sont très jolis pour faire un tapis ou faire avec les trucs avec les stickers. Mais je voulais le mettre dans la chambre, je trouvais que ça se mariait bien et tout ça, donc voilà. Et attenante à la chambre aussi, j'ai voulu faire un dressing avec bien sûr les murs, enfin les meubles de Heure de Gloire. Alors par problème, c'est que comme j'avais réduit d'un carré le dressing, ben, c'était assez petit quand même, j'ai un peu galéré pour mettre ce que je voulais. Mais sur une plus grande surface, je pense qu'il y a de quoi se faire vraiment plaisir. Et même dans la vraie vie, moi, un dressing de ce genre, je vote pour quoi. Pareil en luminaire, j'ai pas trouvé qu'il y avait trop de choses vraiment extraordinaires dans la donne, donc c'est un peu dommage. Et puis bah voilà, deux petits fauteuils, une plante et un petit guéridon pour l'extérieur, pour pouvoir prendre un verre ou le thé ou tout ce que tu veux sur le balcon, c'est plutôt sympa. Voir qui c'est qui arrive, quoi ou qu'est-ce. Et bien sûr, le jacuzzi sur le plus grand balcon, parce qu'il faut pas déconner, quoi, on est des stars, on n'en est pas.
avec toujours le petit salon cosy à côté. Je crois que c'est que des meubles de saison et la table basse, c'est une des tables basses de Hors de Gloire, bien sûr. Alors oui, j'ai voulu mettre ma petite guirlande fétiche, mais finalement ça collait pas. Ça matchait pas. Ça dépassait, c'était trop long, même quand j'ai réduit, ça n'allait pas. Donc j'étais un peu déçue. Mais j'ai dû dire adieu à ma petite guirlande d'amour. Pour une fois, je ne pourrais pas la caser dans une construction. Juste une petite bougie pour l'ambiance sympa. Et puis oui, finalement, j'ai trouvé ces petits trucs rétro-éclairés et j'en ai mis deux. Et puis voilà, c'est très très bien. Et il faut pas oublier de carreler aussi les petites salles de bain. Une plutôt dans les clairs, une plutôt autre dans les foncés. Sur le palier, un peu de couleur quand même. Encore toujours cette... guéridon. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, c'est pas mal en fait, on peut mettre pas mal de coupes, tout ça, des récompenses. On dirait que la star qui était là, elle a déjà eu pas mal de prix. Et la petite pièce qui reste, ce sera une chambre de bébé et de bambin. Je me suis dit, voilà, la star, elle est en couple avec son chéri ou sa chérie, et puis bah, ils vont se mettre à pondre, hein, comme toutes les stars. Et bah, au moins dans cette maison, vous avez déjà la chambre de prête. Pour mettre bas à un ou deux enfants. Ensuite, après, il faudra sûrement déménager parce que la maison sera trop petite. Mais c'est toujours pas mal pour commencer une vie de star, une petite vie de famille. Et pour finir, j'installe une petite fontaine. Le problème, c'est qu'elle volait un peu à cause des modifications de terrain, mais j'ai réussi à la caser comme je pouvais. Et en dernier lieu, là, faisons les toits, parce que ça, c'est toujours mon... Quand je sais pas quoi faire, je fais des demi-murs. C'est beaucoup plus simple et ça fait moderne. Et voilà. Et la maison est terminée. En tout cas, j'espère que cette construction vous aura plu. Je la fais vraiment à la dernière minute et pour que vous la voyez. Mais j'ai vraiment eu l'idée aussi à la dernière minute de faire une maison comme ça. Donc voilà les photos pour la visite. N'hésitez pas donc à laisser un like ou un commentaire ou à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et vous pouvez admirer aussi sur les photos les magnifiques couleurs de coucher de soleil quand on sera sur les balcons. Vous allez voir ça, vous allez tomber raide amoureux de cet add-on, de cette ville de Del Sol Valley. Et peut-être aussi de ma maison. Eh, qui sait? Allez, en attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une autre construction des Sims 4 ou pour les Let's Play, pour les challenges. Allez, salut!